Salut les gamers et gamers, bienvenue dans cette nouvelle édition de Gaming News. Alors comme vous l'avez vu au titre, on va s'attarder sur l'évolution de Wushur en Shifu et donc savoir comment il va falloir faire. Alors comme je disais, là on va être plutôt sur la deuxième partie du DLC. Et le tout c'est de savoir justement est-ce qu'il y a une bonne et ou une mauvaise évolution. Et bien évidemment je vais vous répondre tout de suite, et bien il n'y en a pas, puisque ça va dépendre essentiellement de vous et de votre façon que vous allez vouloir articuler votre Pokémon, comment vous voulez l'intégrer dans une équipe stratégique. Il faut savoir que c'est un Pokémon légendaire, faut pas oublier, malgré qu'il évolue, faut oublier que c'est un Pokémon légendaire, et donc qui dit légendaire dit Pokémon qui ne peut pas être joué en combat classé. Mais vous pouvez quand même faire des petits combats amicaux ou autres, et donc pouvoir essayer de développer une sorte de stratégie autour de ce Pokémon. Donc, moi justement, je me suis attardé un petit peu sur les stats des deux Shifur, donc le côté haut, combat haut et combat ténèbres. Et je vais me diriger plus vers le combat ténèbres, puisque malgré qu'il ait une sensibilité, une grosse faiblesse avec le type fée, les autres types sont relativement bons et son attaque signature, je la trouve nettement meilleure que l'attaque signature de Shifur version haut, on va l'appeler comme ça. Donc pour ça justement, je vais vous montrer à travers cette vidéo comment le faire évoluer. On va se diriger tout droit vers la tour pour les faire évoluer en version ténèbres. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve de nouveau dans ce dojo. Donc pour la suite de l'aventure. Donc comme je vous ai dit juste avant, là, on va plutôt être sur la partie d'évolution de Wushur et montrer un peu comment Wushur évolue. Je vous montre quelques petites fonctionnalités que j'avais pas lors de la première fois. Si vous avez vu un petit peu, vous remarquez que j'ai installé différents trucs. Par exemple, vous avez tout au fond, ici, vous avez des boissons que vous pouvez acheter. Dans le frigo, vous avez différents mets. Voilà, des fruits, fromages et tout ça que vous pouvez prendre gratuitement. Vous avez un coiffeur, vous avez possibilité de vous changer et tout ça, c'était déjà. Voilà, de soigner ses Pokémon et tout, c'est ici. Et donc tout ça, c'est grâce à Apia, la femme de Moustar, qui justement, monnayant quelques petits watts, va vous permettre d'améliorer grandement le dojo. Voilà, vous lui donnez les watts que vous avez envie. Ah ouais, d'accord, ok, et donc du coup par rapport à ça, vous allez pouvoir améliorer le dojo. Voilà, c'était le petit truc un peu cool que je voulais vous montrer rapidement en début de partie. Donc, on sans plus tarder, on va passer directement, je vous montre sur la map où on doit aller. Donc comme je vous disais, ça c'est le temple de la tour de l'eau, et là c'est la tour des ténèbres. Nous on va se diriger vers la tour des ténèbres, puisque évidemment, on veut faire évoluer Wushur en Pokémon ténèbres. Donc l'équipe, elle est composée de quelques Pokémon que j'ai capturés, hein, mais je vais pas les garder. On a mon Lugarok qui était de ma version, Ultra Soleil et Ultra Moon, et c'est le Lugarok de Sacha, hein, vous l'avez reconnu, puisque c'est la forme crépusculaire, voilà. Mon Wushur, je l'ai pas mal entraîné. Comme vous pouvez voir, il a l'œuf chance, je crois, voilà, qui permet de gagner un peu plus d'XP. Donc je pense que 62, ça doit être faisable pour pouvoir y aller. Donc comme j'ai dit, ouais, j'ai capturé pas mal de Pokémon. Comme si vous me suivez un peu, vous savez que c'est ce que je préfère, c'est capturer les Pokémon. Et donc ça y est, je commence à les trier, à les capturer selon les différents stats. Voilà, j'en capture généralement deux d'affilée, j'en fais évoluer un. Et voilà. Ah, je vais vous montrer ça. C'est les Pokémon des versions Alola. Et en fait, la personne qui vous les donne, c'est tout simplement le mec qui au tout début voulait qu'on lui ramène ses Topikeurs. Vous rappelez? Donc les Topikeurs d'Alola. Et à chaque fois que vous passez un palier et que vous voulez ramener des Topikeurs, et ben en fait, vous avez droit à un Pokémon de forme Alola. Voilà, c'est plutôt cool. Pour ceux qui ne les avaient pas et qui ne voulaient pas se casser la tête. Ça, c'est plutôt sympa.
Parce que pour ceux qui l'ont, bah évidemment, il faut avoir acheté la Pokébank sur la 3DS. Le Pokéhome, ça commence à faire à chiffrer un petit peu. Donc voilà, en tout cas, lui, il vous permet de les avoir si vous avez personne qui peut vous les changer ou quoi. Donc voilà, je sais pas trop qui je vais prendre d'autre parce que je vais pas y aller avec ce, avec Hypocéan et tout ça et tout ça. Vénipat non plus. On va aller voir du côté. On va aller voir du côté de mes Pokémon de mon équipe. On va prendre Florizarre, tiens, parce que c'est. Bon, après son niveau 100. Son niveau 100, j'ai pas envie de trop. Ça soit trop facile. J'ai pas envie que ce soit trop facile. Non, bah non, pas lui non plus. Qui c'est que je vais pouvoir prendre? Zerora, non. Mew, non. Là. J'aurais dû. Préparer ça un petit peu avant, histoire de ne pas perdre du temps sur ça. Écoutez, franchement, on va pas perdre de temps. Hop, on va remettre les mêmes Poké qu'on avait pris tout à l'heure. On va prendre un petit Mewtwo parce que c'est mon Mewtwo que j'avais galéré à avoir en shiny dans Let's Go Evolue. Donc voilà, pareil pour Florizarre, c'est mon Florizarre que j'avais reset un bon paquet de fois pour l'avoir. Qui c'est qu'on va prendre d'autre? Ah, on va y aller comme ça, ça devrait suffire. Ça devrait suffire, surtout qu'on a Flabuzard, mon Flabuzard qui est niveau 100. Mon Flabuzard, pareil, qui était de Alola. Non, qui était de XY, pardon, je vous dis des conneries. C'était mon Flabuzard de XY. Allez, c'est parti! Alors, on va aller s'atteler à cette tâche tout de suite. Donc j'ai pas mal exploré hein, de quand on s'était laissé nous. J'avais capturé quasiment personne. J'étais à 102, je crois, 102 vues. Donc là j'en ai capturé pas mal, j'en ai vu quelques-uns. Il faut savoir que dans les terres sauvages, il y a des gens qui. Parce que sur le continent principal. Quand vous vouliez savoir si vous où était un Pokémon et que vous l'aviez déjà vu, bah vous avez sûrement combattu les Pokémon via des dresseurs ou autre, et donc vous avez vu le Pokémon. Et là, en fait, vous n'avez pas cette option-là parce qu'il n'y a pas de dresseur à combattre sur l'île. C'est le gros point noir, en tout cas pour moi. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis des dresseurs à combattre sur l'île, hein, tout simplement. Parce que ces dresseurs avaient des Pokémon que vous allez voir et ça va vous donner un but à les capturer. Et là, en fait, pour pouvoir avoir ce truc-là, il y a des personnes à qui vous allez pouvoir parler dans le mode de jeu. Et ces personnes-là, en fait, elles vont tout simplement... On va pas perdre de temps. Elles vont vous montrer, elles vont vous dire « Ah, regardez, j'ai vu tel Pokémon et tout. » Et donc vous, voilà, par exemple, pour le Exelang, et après, c'est à vous d'aller les capturer. C'est un petit peu dommage. Je trouve que ils auraient dû mettre des Pokémon à combattre, enfin des dresseurs à combattre. Je trouve ça un peu triste d'avoir vu ça. Après, je l'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Peut-être qu'il y a le tour des combats qui se développe ou un truc comme ça. Mais bon, c'est dommage. Il y avait beaucoup de fonctionnalités à faire et à mettre. Et donc voilà. Une fonctionnalité qui est super que je voulais vous montrer, c'est la possibilité maintenant quand vous baladez comme dans Pokémon Let's Go Evoli ou autre. Et là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Et ben, je vais avancer un petit peu, peut-être qu'il va arriver. Et voilà, regardez, j'ai Wooshur qui est derrière moi. Alors c'est moins bien, et vous pouvez interagir avec lui. Donc maintenant, je sais pas indépendamment de Wooshur, hein. Je peux mettre. J'ai pas essayé un Pokémon Vol. On va essayer un Pokémon Vol. Il faut juste le mettre en premier. Et ben non, vous voyez, j'ai même Flabuzard aussi qui me suit. Et je peux parler à Flabuzard. Voilà, c'est génial, ça c'est plutôt cool. Moi j'adore ce genre de truc, hein. On est d'accord que c'est toujours sympathique de voir son Pokémon, pour un Pokémon se suivre. C'est plutôt cool. Alors je trouvais qu'il était très bien implanté et très bien mis dans Pokémon Let's Go, Evoli et Pikachu. Puisqu'il suivait relativement proche, c'était cool. Et notamment si vous aviez Pokémon comme... Caninos, enfin non, Arcanin ou autre, vous pouviez monter dessus, ça c'était plutôt cool. Là, par exemple, si j'avance trop vite, lui il est à la masse quoi, il me suit pas.
C'est moins bien fait que... Oh, je l'avais pas vu lui encore. Je l'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, c'est pas le but. Je viendrai recapturer plus tard. Je l'avais moins bien... Là, il est moins bien fait, je trouve ça moins cool. Mais bon, c'est toujours une petite fonctionnalité qui a été rajoutée en plus. C'est toujours sympathique. Allez, on perd pas de temps. On y va direct à la tour. C'est parti. Je sais pas combien il y a de combats. Je me suis pas spoilé. Je sais rien du tout. Donc, je vais découvrir ça avec vous maintenant. C'est parti. Ah, d'accord. Wushur doit être le seul Pokémon de l'équipe. Et donc, j'ai prévu des Pokémon pour rien. Ok. Donc, j'espère que ça va aller parce que, bon, Wushur, il n'est pas non plus... il n'est pas non plus un niveau oufissime, quoi. Il est niveau 62. Donc j'espère que ça va plutôt bien passer. Écoutez, franchement, j'ai des petits doutes. J'ai des petits doutes. Je vais lui donner quelques super bonbons. Je vais lui donner quelques super bonbons parce que j'ai des petits doutes. Au moins le faire monter de 5-6 niveaux. Au moins le faire monter de 5-6 niveaux parce que là, j'ai des gros doutes. Oui, j'en ai beaucoup, je ne les ai jamais utilisés. J'utilise dans aucun de mes jeux. Dans aucun de mes jeux, j'utilise des super bonbons. Parce que j'adore prendre le temps de faire évoluer les Pokémon et les faire monter. Voilà, je pense que niveau 67 ça devrait le faire. Donc si c'est pas le cas, on refera. on se démerdera. Hein. On va essayer de trouver ça. Attends, un Wushur de niveau 70 devrait être à même à suivre cet entraînement sans problème. Oh, franchement, 65 ça passe. Hein. Oui, je renonce donc à l'eau pour suivre la voie des ténèbres. Allez, c'est parti. Je suis un maître dresseur et je pense que ces petits dresseurs vont pas pouvoir se dresser face à moi. Allez, Wushur, on y va. On va éclater tous ces mecs de cette tour. C'est parti, mon kiki. Allez, le premier combat contre le disciple du dojo. C'est parti. Je pense que de toute façon, ils ont tous des maîtres. Ah, donc Zora. J'ai capturé Azora, pas Zora Aura, son évolution. J'ai zappé le prénom. Ça va me revenir, comme la dernière fois avec Flabuzard, ça va me revenir très rapidement. Du coup, je sais qu'il est ténèbres. Ah oui, ils sont 65. Écoutez, on va faire un petit gonflette. Histoire de booster un petit peu son attaque avant d'y aller. Et je viens de remarquer que je n'ai pas soigné Wushur avant de monter. J'espère ne pas le payer. N'empêche que avec le charme XP et lui coller un 9 chance au début, il a monté réellement très très vite. Puisque là, quand j'enregistre cette vidéo, on est à 3 jours, 2 jours de la sortie. J'ai pas joué énormément. Donc ça va. Et ça montre réellement vite. Et c'est plutôt plaisant de jouer avec ce Pokémon. Oh, voilà, franchement, c'est pas compliqué. On vient de tarter en une attaque le premier. Allez, Wushur, on continue parce que c'est que le premier. On va voir ce que nous réservent les autres dresseurs. Donc, je pense pas qu'il y ait des trucs à récupérer. Allez, à ton tour. C'est parti. J'ai moi-même suivi le plus sombre des chemins. Laissez-moi vous montrer la force des ténèbres. Allez, viens te battre. Bagiguan. Eh ouais, Bagiguan qui est pas mal, qui est pas mal, qui fait... Qui était déjà, hein, qui est pas un rajout, hein, puisqu'il était déjà. Contrairement au premier Pokémon qu'on a vu juste en dessous. Et évidemment, vu que je l'ai déjà... Ça va être plus simple pour moi. Alors oui, un conseil pour aller dans cette tour. Évidemment, ça semble assez logique pour certaines personnes. Mais pour aller dans cette tour, quand Wushur à un moment donné va apprendre la technique aéropique. Alors moi, sincèrement, je vous conseille de garder cette technique aéropique. Vous pouvez l'enlever après, c'est pas très grave. Mais étant donné que vous allez combattre des Pokémon de type combat,
je vous conseille de le garder puisque en fait tout simplement c'est des types combat sont faibles face au type vol, donc vous allez pouvoir gagner un certain avantage grâce à ça. Donc sincèrement, gardez cette technique, vous me remercierez plus tard. Parce que moi je l'ai pris parce que justement je sais très bien que et je vais rencontrer des types combat après et que j'ai pas envie de galérer quoi, tout simplement. On va lui coller une petite hyper potion. Voilà, parce que je l'avais pas soigné avant d'arriver dans la tour. Mec trop confiant. Elle a dit qu'il y en avait 5, on est déjà au deuxième type. Allez hop, on perd pas de temps. On les torche un par un. Niveau 70 ou pas niveau 70. On voit que ça pose pas de problème à mon Wushur qui va totalement les défoncer un par un. Vous avez vu sur ma tenue, hein, j'ai customisé un petit peu ma tenue. Changé les gants, changé le pantalon et le t-shirt. Voilà. Et puis j'aime bien le kimono et le katogan de mon personnage. Je trouve ça plutôt cool. On a en face un Pokémon de type Psy. Donc on va gonfler, on va faire un petit peu de gonflette pour booster un petit peu son attaque. J'espère qu'il n'a pas trop de technique qui va pouvoir me. Ouais, ils lui ont mis des techniques de ténèbres, évidemment, vu qu'on est dans le truc. C'est pas non plus hyper compliqué. On va lui poser un close combat. Et le close combat fait le taf, hein, évidemment. Évidemment qu'il fait le taf. Et ciao, bye bye. La voix des ténèbres est tombée sur mon cœur. C'est triste, mais voilà. Si vous voulez faire plus de thunes, n'oubliez pas, hein, vous pouvez mettre les runes qui vous permettent de faire ça. Hein. Donc moi je continue à faire monter les Pokémon de niveau. Donc je reste plutôt là-dessus. Allez, les ténèbres se situent ni du côté du bien ni du côté du mal. Elles existent, voilà tout. Joueront-elles en ta faveur pour ce combat? J'ai pas besoin des ténèbres pour te défoncer. Moi, j'invoque pas les ténèbres. Juste la puissance de mon Wushur. Ça devrait suffire. Et Escroco. Escroco, c'est celui-là ou c'est le. Ah, Escroco, là. Le gars a encore les noms en tête. Escroco, il me semble que si je lui pose un close combat, même pas besoin de faire un gonflette. Je crois qu'il prend. Il ramasse. Ouais, il prend cher. Il prend cher. Donc voilà, hein, comme ils disent en bas, 70, hein, vous voyez très bien. J'ai juste eu à prendre quelques super bonbons ou si vous voulez pas vous casser la tête, voilà, le faire monter au niveau 67. Je pense que même mon niveau dans lequel j'étais juste avant en bas de l'arène n'aurait absolument posé aucun problème. Donc allez, c'est parti pour le dernier étage. Alors je vais juste vérifier un petit truc puisque j'ai utilisé pas mal de close combat. Je veux juste vérifier, ouais, j'en ai 2 sur 5. On va lui caler une petite huile quand même. On va lui caler une petite huile. J'en ai ou pas? J'en ai, mais c'est pas là-dedans. Je sais plus. Voilà, c'est là-dedans normalement. Non, c'est où? Où sont les huiles encore? Mais j'en ai peut-être pas en fait. Et ben, j'en ai. Sincèrement, je crois que j'ai pas d'huile du coup. Mais j'ai un gros trou de mémoire. J'ai un très gros trou de mémoire. je ne sais plus où sont les huiles. Bah écoutez, bah de toute façon. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. Je sais plus où sont rangés. S'ils sont rangés dans le truc de soins, on sait que j'en ai plus du tout. Oh, c'est le maître Booster qui est le dernier. D'accord. La petite surprise. Je me doutais pas que ça allait être Moustar, tu vois. Je me douterais que tu choisirais la tour des ténèbres. J'ai donc décidé de t'attendre ici. Quelque chose me dit qu'en fait, il avait choisi aussi l'autre tour. Hein, bref. Wushur, mon petit Ashap Joke, vous êtes bien battu jusqu'ici. Il est temps d'affronter votre dernier adversaire, qui donc, Bibi Pardi. On s'en serait bien douté, hein, en fait, hein, tout simplement. Hein. Une fois n'est pas coutume, je vais passer en mode sérieux pour ce combat. C'est vrai que le premier combat, il n'était pas trop en mode sérieux. Et c'était un peu dommage. Mais bon, allez, c'est parti. L'heure est venue pour moi de vous révéler toute la puissance cachée des ténèbres. En garde!
Yikuzo! Et Lorien s'il a fait péter le costume. Ok. Ok, c'est parti. Wushur. Ok, on a le droit à un Wushur. Et je viens de penser que j'ai pas soigné mes Pokémon juste avant d'arriver ici. Et donc du coup c'est génial. Change pas. Du coup j'ai pas soigné mes Pokémon. Je vais soigner mon Pokémon en priorité. On va lui caler un petit potion max. En espérant qu'il m'attaque pas. Du coup s'il a les mêmes techniques que moi, je crains vraiment. Ouais, il est chaud papy. Il est chaud Lorien. Ah ouais, aéropique, hein, bah ouais. Ah ouais, bah ouais. Ah, c'est chaud. Là, c'est chaud, hein. On va tenter quelque chose. S'il fait casse-brique, je suis dans la merde. Ah, je suis perdu. Oh, 2 points de PV. Oh là là. On a réussi à passer, on a réussi à foutre une gonflette. Ouais, ok, d'accord, je comprends pourquoi en bas il disait niveau 70. C'est pas vraiment pour les autres, mais plus pour le dernier combat parce que son Wushur est ultra chaud. Son Wushur est ultra chaud. Bon, là qui devrait être calmé un petit peu. Je prends un casse-brique. Mais je sais pas si vous avez vu, j'ai attaqué avant lui. Alors qu'il est plus. Il est à un niveau supérieur normalement. Donc on va retenter de l'attaquer avant. En espérant qu'on attaque avant. On l'attaque avant. Fantastique. Et on a remporté ce combat. On a gagné. On a remporté ce combat. Il est chaud, il est chaud. Vous avez vu qu'il a un petit bracelet Dynamax ? Avoir l'œil, je pense que c'est pas fini parce que après il doit forcément nous montrer la phase où justement il dynamax le ou Chifour. Vous avez été fantastique, bah ouais, on a été fantastique, on a été les meilleurs. Yeah, le check ça, mon frère. Oula, 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 oula. Il est chaud le Wushur. Il est chaud, allez. Ouais, bah on le connaît Tarak, on le connaît. Malheureusement, il s'est perdu en chemin avant même d'atteindre la tour de son choix. Ah ouais, c'est vrai que Tarak, il se perd tout le temps. Et non, ça veut dire que Tarak n'est jamais venu jusqu'ici. Ah, il est maintenant temps pour Wushur de terminer son entraînement en évoluant. Approche-toi du rouleau des ténèbres et accroché au mur et montre-le à Wushur. Allez Wushur, vas-y, on y va. C'est parti. Voulez-vous montrer le rouleau des ténèbres à Wushur pour le faire évoluer? Oui, je suis monté jusqu'ici pour ça, monsieur. Allez, Wushur. Je te kiffe. Allez, il est temps d'évoluer, mon petit. Allez, c'est parti! Et il est là, mon gars sûr. Il est là, mon Chifour. Il est là, mon Chifour. Ah, ça y est, on a fait évoluer Chifour. Enfin, Wushur en Chifour. Type combat ténèbres, adepte des techniques pouvant mettre KO en un seul coup. Il se jette sur son adversaire et le frappe de son poing robuste. Et ça pète sa mère. Point obscur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va oublier pour apprendre point obscur? C'est une attaque de type ténèbres. Je vais pas garder aéropique parce que je m'en fous un peu. Je vais garder tête de fer parce que
Ça va bien pouvoir kicker les Pokémon de type fée notamment, qui sont surjoués en surjoués. Et je pourrais toujours lui réapprendre au cas où si je veux changer. Mais là non, le point obscur, je veux apprendre. J'ai hâte de pouvoir utiliser cette technique de point obscur. Hop, allez. Voici l'armure la plus solide de Galar, Chifour. Sa robustesse inébranlable lui permet de briser n'importe quelle lame ennemie. Cette forme résulte de l'entraînement acharné qui lui a permis de maîtriser la puissance cachée des ténèbres. Chifou. C'est vrai qu'il est grand maintenant, putain, il est en place, hein. Le petit bout de jour qui se cachait derrière moi à la moindre frayeur a bien grandi. Ah, même après toutes ces années, voir s'épanouir un être cher, c'est toujours une expérience merveilleuse. Merci du fond du cœur à vous deux. Ah, j'ai failli oublier. Puisque tu as réussi à me vaincre alors que j'étais en mode sérieux, je t'offre ceci. Ah, sa carte de ligue. Ça me fait jamais rien, moi, les cartes de ligue. Sincèrement, je sais pas quoi ça sert. Et voilà qui clôt ce chapitre. Rentrons au dojo. Et ben voilà, on a enfin fait évoluer Chifour. Sa puissance n'est pas des moindres. Le temps est peut-être déjà venu. Pour. Je veux juste voir si juste après derrière, on a la possibilité de vous montrer le Gigamax. J'aimerais bien montrer le Gigamax. Et il est là. Il est stock. Il est grave en place. Je le kiffe. Je le kiffe. Il est lourd. Il est lourd. Vous aussi, vous l'aurez. Je vais. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais non. Débarque. Je compte rester quelques temps à Isol Armure pour continuer mes recherches sur les Dynamax. Oh, vous connaissez tous les deux. Le petit Nabil est venu me demander l'autorisation de camper à Isol Armure. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il recevrait une invitation à dormir au dojo à la place. Waouh, trop cool. Mais non, voyons, le dojo de la maîtrise accueille même les invités surprises. Surtout quand on est le frère du petit Arak, tu fais déjà partie de la famille. C'est la famille. Ah oui, c'est vrai que mon frangin a fréquenté ce dojo quand il était plus jeune. Bon, puisque vous insistez, je veux bien rester. Il insiste, c'est. Ah, il est culotté, le petit Nabil. Yao, voilà qui fait plaisir. Plus on est fou, plus on rit. D'ailleurs, mon petit Asabjo, il faut que tu saches que quelque chose au sujet de Chifour, l'évolution de Wushur. Ouais, merci, je m'en rappelle. Tout d'abord, je suis sûr que tu seras ravi d'apprendre qu'il est doté du gène Gigamax. Toutefois, comme il a horreur de Maxi Champi, lui faire avaler un Maxi Sou pour l'éveiller à ses gènes est une véritable casse-tête. Mais tout n'est pas perdu, à Isol Armure se trouve un élément spécial qui rend la Maxi Soupe bien plus appétissante pour eux. Et quel est donc cet élément spécial, vous me demanderez-vous? Bah oui. Eh bien. Suspense. Il est sérieux? Mais non! Oh non! Non, mais c'est bizarre, il a oublié. Ah, ok, d'accord, bon, ok. Il a totalement oublié. Ok, bon, va falloir trouver cet élément spécial pour Chifour, c'est ça, hein, tant bien à finir. Hein. J'ai lu que c'était un Pokémon Kung Fu vivant, hein, le monde, ok. T'es sûr, on est informé. Ok. Bon, on va essayer de trouver cet élément et je pense qu'il y aura un combat contre Nabil. Donc on se retrouve une fois que j'ai trouvé cet élément et je lance le combat contre Nabil pour que vous montrer Chifour en Gigamax. Allez, on se rejoint tout de suite après. C'est Tipar. Donc on se retrouve pour la dernière partie. Donc après, il n'y avait pas grand chose à faire hein, sur la partie d'avant. Juste récupérer quelque chose, un élément pour qu'il puisse dynamaxer. Allez, hop. Et du coup, à ma grande surprise, ce n'est pas Nabil, mais c'est Moustar qu'on combat. Dans ce ultime combat, apparemment, il s'est mis en mode sérieux de chez sérieux. Donc, j'attends de voir.
J'attends de voir les Pokémon qu'il va me proposer. J'ai pris quelques Pokémon sérieux quand même, au cas où. Parce que je pars déjà avec un net désavantage, puisque mon Chifour est bien qu'il puisse gigamaxer, et type ténèbres. Et lui, il suffit que lui soit un peu plus rapide et qu'il me pose une attaque combat pour que je perde. Donc, j'ai pris un, deux, trois soutiens un peu plus puissants que d'habitude, histoire d'être sûr de s'assurer la victoire, évidemment. Hein. Allez hop, allez, il se met en mode sérieux, il m'enlève tout ça. Et c'est parti pour le combat. Carrément, le gars, il y a des ondes autour de lui, quoi. C'est stylé quand il jette ses Pokéballs. Franchement, il est pas mal, il est bien stylé, ce personnage, Moustar. Le maître. Allez, c'est parti. J'ai lead avec Chifour, puisque j'espère bien faire un bon combat à la fin en Gigamax. Et donc pour ça, je vais utiliser dès le départ pour qu'il fasse une petite gonflette. Et ça justement, il va ignorer. Ah non. D'accord, normalement il devait l'ignorer là en attention. Oh là là, il a pris tarif. Eh oui, c'est ce que je disais juste avant. C'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que Chifour, du moment que tu vas avoir quelqu'un en attaque combat en face, en type combat en face, il va se faire laminer la tronche assez rapidement, quoi. Bon, ça fait chier, mais bon, c'est pas grave. Je le ferai revenir. Je vais le faire revenir à Carapel, parce que le but, c'est quand même de vous montrer son Gigamax. Sinon, on aurait arrêté depuis. Donc, on va profiter de ça pour le rappeler. On va lui coller un rappel max. J'en ai pas beaucoup, mais ça devrait le faire. Du coup, il faudra quand même que je trouve un moyen de pouvoir lui faire... qu'il place ce petit truc. Qu'il place sa gonflette pour avoir l'avantage sur... pour avoir l'avantage sur l'autre Chifour quand il va arriver. Putain, il est bien plus rapide que mon Corvallus, ce qui n'est pas étonnant en soi. Donc Corvallus, je les booste en défense, c'est pas défense P et pas autre chose. Hein. Donc il sautille parce que il faisait partie de mon équipe. Ouais. C'était un Corvallus qui était dans mon équipe. Qui était dans mon équipe type. Que j'ai remplacé pour un autre Pokémon. Luxray, on change de Pokémon, on va mettre Chifour, on va réessayer parce que je l'ai mis avec bande au choix, j'ai mis Chifour en bande au choix, parce que en fait il faut vraiment prendre en compte que je pars avec un total désavantage puisque je veux affronter les deux Chifour, mais je pars avec un sacré désavantage sur ce combat, donc on va essayer, on va tenter de faire un truc. Plutôt intéressant. Donc hop, il place une petite gonflette. S'il me tue pas, j'essaye d'en placer une deuxième. Ah, il me fait câlinerie, bah là je suis mort. Non, je suis pas mort. Ok, je suis pas mort. Donc du coup je savais pas qu'il avait accès à la câlinerie. Je replace une deuxième gonflette pour être à fond après. Voilà. Si il me refait pas câlinerie. Ouais, il me refait câlinerie. C'est pas grave du tout. C'est pas grave, on va prendre Lugarok. Lugarok, on va lui péter un petit dance lame, lame de rock. Ça devrait être suffisant pour le tuer. Ouais, clair fou, ouais, ça retire pas mal hein, quand même. Hein. Ça retire pas mal, éclair fou, c'est dingue. Mais là, avec la danse lame, l'âme rote de rock, c'était sûr, ça dégage. Ça dégage. Corvallus, je switch Corvallus, non pas tout de suite. Parce qu'il lui va servir de cobaye pour... il va servir de cobaye, malheureusement, pour que... Chifour puisse revenir dans la partie.
En soi, le combat, il aurait été très très vite réglé. Hein. C'est uniquement là parce que j'ai envie de montrer un peu plus de choses, vous montrer un peu plus de choses intéressantes. Et j'essaie de faire en sorte que les deux chiffours puissent se combattre à la fin. En soi, en temps normal, c'est un type combat haut, au choix, je lui pète un, comment ça s'appelle, un Florizarre gigamaxé ou même mon Corvalus gigamaxé avec une bonne grosse attaque, ça aurait largement suffi hein, à le tuer, hein, c'est assez sûr. Ça c'est sûr. Là on n'est pas face à un combat stratégique, hein, c'est du mode histoire, hein, tout simplement. Ah bah je pensais que ça tuait. Ça a pas tué. Étonnant ça, tiens. Bah de toute façon il s'est tué lui-même. Donc voilà, c'est pas très très grave. C'est pas très grave, mais je pensais que ça l'aurait tué. Ça l'aurait tué. Il avait une bonne défense SP, ça veut dire. On va changer et là justement on change pour mettre Chifour. Puisque Loup-Garok est de type proche. J'ai pas besoin d'expliquer plus. Ne serait-ce que pour dire que justement il va se manger du coup une tête de fer. Ah, il pose des pièges de roc, mais ce n'est pas un problème puisque cette fois-ci je me ferai pas piéger. Puisque cette fois-ci j'ai. Ouais, voilà, ça dégage. Ça dégage. Puisque cette fois-ci j'ai Corvalus qui était dans mon équipe type. Et ce Corvalus que j'avais monté tout particulièrement, d'ailleurs je vais le changer, parce que... et ben il a accès à anti-brume. Et anti-brume, on m'a enlevé les pièges de roc tranquillement. Je crains pas du tout son Ekaiser, hein. Je pense pas que son Ekaiser fasse quoi que ce soit, même avec ce niveau de vie à mon Corvalus. Hein. Voilà, donc on pose l'anti-brume pour péter les pièges de roc. Pour que tout le monde puisse arriver tranquillement. Je pense pas que l'aura se faire tuer. Hein. L'aura se faire tue pas. Et ben là, il... Oh non, le con. J'ai mon doigt qui a ripé. Ça tue, mais ça me tue aussi. Bon, c'est pas grave. J'ai mon doigt qui a carrément ripé sur la touche, quoi. Énorme. Ouais, je voulais faire atterrissage. C'est les aléas du direct. Non, bon, c'est pas grave. Oh, le con. j'ai pas vu qui c'est qui m'a envoyé, merde. Merde. De toute façon, il doit lui rester qu'un Pokémon, non? Ah, il avait attention. Là, son talent a changé en grandissant. Ok, d'accord. J'avais pas fait gaffe. Enfin, en évoluant. Parce que son talent attention était bien pratique. Hein. Parce que je rappelle le talent attention, il pouvait pas subir les altérations de. Par exemple, si lui faisait bluff ou des trucs comme ça, j'aurais. J'étais pas impacté par ça. Et je me rends compte qu'en fait, ma gonflette n'a servi strictement à rien parce que je suis mort et que j'avais totalement zappé. Donc là, comme j'expliquais, hein, c'est totalement juste pour pouvoir voir le coup, le voir en gigamax, hein, parce que sinon ça n'a pas grand intérêt. Puisque je rappelle que je suis faible face à un Chifour type O. Sauf que voilà, c'est ça que je voulais voir. Ça, monsieur. Et donc, je voulais voir aussi sa super attaque. Et je me ferai kick derrière. Mais derrière, c'est pas grave, on a Florizarre qui va assurer le coup. Oh, il fait glisser sa main sur. Il fait glisser la Pokéball sur sa main. Et après, il la jette. Ah, c'est dard. Ah, ça tue, c'est excellent. Ah, ils sont beaux, hein. Ils sont stylés. Hein. Ils sont très stylés. Moi, je les trouve stylés, en tout cas. Je les trouve vraiment stylés. Qui est plus rapide des deux? C'est moi. Voyons voir cette super attaque. Ah ouais, c'est stylé. Mais comme je disais, ça l'affecte pas beaucoup. Moi, si je prends Pugilomax, par contre. Oh, je suis pas mort. Je pensais que ça allait one-shot. Alors là, on a une scène
La scène est magnifique. La scène est magnifique. Ça tue. Vraiment. Je vais faire un petit garde au max histoire de casser les couilles. Parce qu'en un contre un, ça va pas servir à grand chose. Mais... Tu vois, il m'en remettait un pugilomax, max, hein, le petit enfoiré. Bon, allez, je suis plus rapide. Et ouais, oui, ça fait rien. Ça fait rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Sauf que moi j'ai le double type qui va pas, c'est-à-dire que j'ai le double type ténèbre. Le type ténèbre et du coup je ramasse. Du coup je ramasse vraiment face à son chiffour. Si j'avais gardé Aeropic, ça aurait été une autre histoire. Mais étant donné que je n'ai pas gardé Aeropic, la question ne se pose pas. Allez mon petit Florizarre. Mon petit Florizarre qui vient de Pokémon Let's Go, j'avais tellement farmé pour pouvoir l'avoir en Rogerie, c'est tellement de fois pour pouvoir l'avoir. Ce petit Florizarre, je suis bien content. Et voilà, c'est terminé. Ce combat s'achève donc maintenant. Et donc on a pu voir les différentes Gigamax. Et en tout cas, je suis bien content de vous avoir montré ces différents éléments. C'était cette évolution, donc voilà, je suis allé au bout de ce que je pouvais vous montrer sur cette DLC. S'il y a d'autres petits trucs, je reviendrai dessus. Mais en tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu partager ça avec vous. Donc maintenant, vous avez pu répondre à cette question de comment faire évoluer Wooshur. Et du coup, qu'est-ce qui vous attend si vous choisissez la Tour des Ténèbres. Pour ceux qui ont l'autre version, vous pouvez voir justement si ça se passe différemment. Ce que je ne pense, je pense pas vraiment. Hein. Donc voilà, donc c'est sur ce magnifique scène où on voit que tout le monde est arrivé, qu'on va se quitter. Donc je vous annonce d'ores et déjà que je vais faire gagner Wooshur. Je publie cette vidéo sur, doit être lundi, fin de semaine ça arrive, donc Wooshur, sera la prochaine distribution, voilà, pour ne serait-ce que pour ceux qui ont l'autre version pour pouvoir avoir les deux. En tout cas, je suis vraiment vraiment content de vous donner Wooshur. Je vous suis plutôt hype, je suis pas hypé, mais j'étais plutôt satisfait, on va dire, de cette DLC, même s'ils auraient pu faire beaucoup mieux, ne serait-ce que pour mettre des différents dresseurs et tout ça. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez fort la vidéo. Je vois que vous êtes de plus en plus à liker les vidéos, à partager le contenu, à vous abonner. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Moi, grâce à ça, je peux justement vous proposer des vidéos de meilleurs contenus avec des meilleurs effets et tout ça. Pour passer plus de temps dessus, vous proposer des trucs qui sont vraiment cool. Là, comme ce let's play, comme le live d'avant et tout ça. Ça, c'est grâce à vous, c'est parce que vous me suivez. Voilà. Donc, continuez, likez les vidéos, abonnez-vous. N'hésitez pas à me suivre sur les différentes pages qui vont s'afficher un peu partout. Voilà, suivez-moi à fond. Venez faire partie de la communauté de Gaming News qui tend à grandir, qui s'améliore de jour en jour. Allez, je vous fais pas plus durer la cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et ciao bye bye.